Egmont Lyossou. Bonjour. Je vais présenter Lyossou Ludogotchia qui est avec nous aujourd'hui. Déjà avant, il faut que peut-être que ceux qui nous regardent sachent qu'il y a aujourd'hui des prix Nobel, hein, des experts en résolution de conflits, des femmes, des hommes d'État, des parlementaires, des magistrats, des intellectuels et des artistes du monde entier qui s'unissent, qui se sont unis et qui continuent à s'unir pour demander aujourd'hui à la France la protection et la sécurité de Lyossou Ludogotchia et de l'ensemble des négociateurs de paix. Lyossou Ludogotchia, ça a été et c'est toujours une figure déterminante de la sortie du conflit au Pays Basque. Des années 80 d'ailleurs, il a travaillé à la mise en place des discussions d'Alger et ensuite il a été arrêté en pleine trêve le 11 janvier 1989, c'était à Bayonne, au Pays Basque Nord. Quelques jours seulement avant l'ouverture de ses premières tentatives de résolution des hostilités. Lyossou a été élu à partir de 1998, et ça à deux reprises, député au Parlement basque. Lyossou Ludogotchia a mené pour le mouvement basque les négociations de Genève, ça s'est passé entre 2005 et 2007, et ensuite, dans le cadre des négociations d'Oslo, il est également intervenu entre 2011 et 2013. Et enfin, c'est Lyossou Ludogotchia qui a annoncé depuis Genève, depuis le centre Henri Dunant à Genève, l'autodissolution de l'organisation ETA. Ça, c'était le 3 mai 2018. Et ça s'est passé après qu'avait été proclamée la fin de la lutte armée. Ça s'est passé, cette annonce, le 20 octobre 2011. Et ensuite, les armes ont été rendues à la société civile au Pays Basque Nord, à Bayonne, le 8 avril 2017. Il a ainsi posé des fondements avec d'autres, bien sûr, des fondements inédits. Inédits parce que ce sont des événements, des actions qui ont un caractère unilatéral de la résolution du dernier et du plus vieux conflit armé d'Europe occidentale. Le 16 mai 2019, Lyossou Ludogotchia a été arrêté dans l'État français, à Sallanches, en Haute-Savoie. Il a été écroué à la prison de la Santé à Paris. Un peu plus tard, le 19 juin 2019, la Cour d'appel de Paris a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, en considérant que les garanties de représentation étaient suffisamment conséquentes. Alors que l'administration pénitentiaire venait de lui notifier la levée d'écrou, des agents de la DGSI l'ont interpellé à nouveau dans l'enceinte même du centre pénitentiaire de la Santé, alors qu'on l'attendait dehors, sur ordre du parquet, afin de lui notifier des mandats d'arrêt délivrés par l'Espagne contre lui. La justice espagnole réclame Lyossou Ludogotchia sur quatre dossiers. Le 1er juillet 2020, il y a presque un an maintenant, enfin plus de 6 mois, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a accepté la libération conditionnelle de Lyossou Ludogotchia, qui est aujourd'hui assigné à résidence sous bracelet électronique. Alors Lyossou, j'ai sans doute oublié des choses, je me suis trompé sur quelques questions, ou c'est non, à peu près ça? En général, c'est ça. Ouais. Il manque des choses, à mon avis. Alors, tout d'abord, pour les gens qui ont une vision un peu touristique du Pays Basque, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le Pays Basque? Et au-delà, donc, qu'est-ce que c'est le Pays Basque d'abord, avec ses différentes entités, c'est-à-dire la communauté autonome de Navarre, la communauté d'Euskadi, et donc l'ensemble d'Euskadia, en incluant donc, bien sûr, Iparralde et Pays Basque Nord? Oui, bon, donc, vite fait, et on ne va pas faire, on va pas donner des leçons d'histoire. Le Pays Basque, c'est un petit pays, comme tu disais, connu pour davantage pour des faits touristiques et ensuite des faits violents dérivés de la lutte armée pendant de longues années. C'est un petit pays qui se trouve à cheval dans deux États. Et un pays d'une culture et une langue millénaire que de nos jours, au jour le jour, on ne sait pas d'où ça vient. C'est un pays qui a été traversé pendant des millénaires par différentes civilisations,
C'était une culture, la plus ancienne culture en Europe, une culture pré-indo-européenne, et que souvent on se demande comment on peut être, on peut exister seulement. Parce que d'autres pays, sont, d'autres peuples, ils sont disparus à travers toutes ces invasions, tous ces passages de multiples civilisations. Peut-être qu'il y a différentes raisons à ça. Peut-être que c'est un peuple résilient. Peut-être qu'on a su, capter beaucoup de choses que d'autres civilisations, en nous traversant, ils nous ont laissées. Et effectivement, nous, on a dû laisser à d'autres civilisations. Le fait est que on a été autant au nord qu'au sud sous différentes dominations. On a été constitué en tant qu'État dans la forme moderne, parce que c'est le royaume de Navarre qui a été créé au 9e siècle, jusqu'à l'invasion espagnole au 16e siècle, qui a conformé géographiquement ce qui, de nos jours, s'est connu comme le Pays Basque. Et puis, après l'invasion espagnole, et après la répression du 16e siècle, on arrive petit à petit jusqu'au 19e siècle, dans lequel les guerres carlistes marquent encore un autre passage important dans l'histoire de notre pays, jusqu'à le développement du nationalisme au 19e siècle, au 20e siècle, et jusqu'à, en courant comme ça, jusqu'au 20e siècle, 21e siècle, je veux dire. Alors, au 20e siècle, il y a eu des événements dans le monde entier, en Europe, et également donc dans la péninsule ibérique, avec ce qu'ils ont appelé une guerre civile, qui en fait a été le début de la dictature franquiste. Alors, qu'est-ce que cette dictature franquiste a représenté pour le Pays Basque ? Il faut tenir compte que cette guerre civile dont tu parles se développe entre 1936 et 1939. Il y a un soulèvement putschiste des militaires dirigés à l'époque par le général Franco, et que suppose la rentrée dans une espèce de nuit noire répressive qui n'est pas encore résolue de nos jours. Ça a marqué énormément de par la répression à tous les niveaux, au niveau social, culturel, linguistique, surtout politique. Il faut tenir compte que suite à la guerre civile, de nos jours, encore de nos jours, au XXIe siècle, il y a plus de 120 000 disparus, ce qui fait, après la Cambodge, le pays du monde dans lequel il y a eu davantage de disparus. Tout ça, sans parler de tous ces des milliers et des milliers d'assassinés dans des fosses communes, à droite à gauche de nos jours, qu'ils sont là. Comme je te disais, on rentre dans la nuit noire, dans la nuit noire du franco-fascisme, duquel les structures sont encore vivantes. Mais on en parlera plus tard, parce que après la mort de Franco, ce qui est arrivé, c'est une espèce de réforme, sui generis, on peut dire, que au début, ça a été pris comme exemple dans différents pays qui sortaient des dictatures en Amérique latine, mais qu'on a vu, heureusement, pour ces peuples-là, Argentine, Chili, Brésil, Uruguay, qu'ils ont dépassé cette espèce de modèle démocratique à l'espagnol. Eux, ils ont eu le courage de faire marche arrière dans l'histoire et de se dire, non, on va juger les responsables de ces coups d'État, autant en Argentine, en Uruguay, que maintenant, dernièrement, avec ces retournements positifs qui sont en train de s'effectuer au Chili. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, pendant cette dictature franquiste, au bout de quelques dizaines d'années, est née l'organisation ETA. Alors, comment est née ETA ?
Jusqu'à ce moment, en 1936-1939, le gouvernement, une espèce de front uni, front populaire qui a été créé pour faire face au putsch fasciste, qui a eu la capacité de créer dans très peu de temps, quelques mois seulement, une petite armée pour faire face, qui ont tenu pendant 7 mois, et pas seulement contre les putschistes, de Franco, et Mola, et Sanjurjo et autres, mais aussi, c'est quelque chose que c'est à souligner, c'est le soi-disant non-alignement du Front Populaire français en empêchant que le matériel armé passe la frontière pour se défendre contre les attaques fascistes, mais aussi en tenant compte que de forces militaires de l'Axe, qu'on appelait à l'époque, la Légion Condor à Allemagne et l'Aviation Legionaria italienne, ils ont participé avec des milliers et des milliers d'hommes, et surtout, bon, un peu partout dans la péninsule, mais surtout au début dans le Pays Basque, avec tous les massacres qui sont en suivi. Donc, dans cette conséquence de ça, il y a eu des milliers de morts, des milliers de disparus, des milliers de gens qui ont dû partir à l'exil. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, on rentre dans la nuit noire du fascisme. Et tout ça ne trouve doucement, il y a des toutes petites lumières d'une toute petite résistance, surtout à niveau social, avec certaines grèves à la fin des années 40 et au début des années 50, pour reprendre la répression énorme dans tous les sens. Donc, le Parti nationaliste basque, il a disparu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il croyait que le fait que les forces de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie soient vaincues, ça allait permettre aussi, presque par automatisme, faire la même chose avec Franco, chose que, en profitant de la guerre froide, Franco s'est mis au service des alliés, surtout des États-Unis. Donc il y avait pratiquement aucune résistance. Et il y a un groupe de jeunes pendant les années 50 qui a vu qu'il fallait faire quelque chose pour sortir le Pays Basque de ce trou noir du franco-franquisme. Et c'est comme ça qu'avec l'intention de sortir de ce trou à tous les niveaux culturels, linguistiques, politiques et sociaux, un groupe de jeunes il s'est réuni de différentes provenances, et ils ont créé ce qui a été connu ensuite comme Euskadi Askatasuna. Euskadi, c'est un mot que pour nous à cette époque-là représentait le Pays Basque, ce qui a été approprié d'une certaine façon après par le PNV et d'autres partis, Parti Socialiste et autres partis espagnols, unionistes, pour appeler Euskadi, appelait ce qu'on appelle le Baskongal, les trois provinces du Pays Basque Sud. Mais pour nous, à cette époque-là, les années 59-60, Euskadi, ça représentait ce que pour aujourd'hui, pour nous, c'est Euskal Herria, ce sont les 7 provinces. Après la naissance de l'ETA, à un moment donné, dans une des assemblées, l'ETA a décidé d'utiliser tout type d'outils politiques pour faire face à la répression. Donc il faut tenir compte, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que notre lutte, c'était antifranquiste, mais ce n'était pas que antifranquiste. Surtout, on luttait pour les droits du peuple basque. À cette époque-là, à l'époque des premières années 60, et surtout avec une grande influence des mouvements de libération nationale qui avaient par le monde, on croyait encore au soulèvement du peuple. C'était une réaction insurrectionnelle du peuple qui allait faire face à la machine franco-fasciste. Mais bon, les années, ils ont fait changer de tactique et considérer qu'il fallait travailler d'une autre façon. C'est pour ça la configuration de l'organisation dans différents fronts, différents fronts ouvriers, fronts politiques, fronts culturels, fronts militaires, qui devenaient des outils pour faire face à la répression franquiste. Mais dont le but, ce n'était pas seulement que Franco disparaisse. Il fallait que les structures franquistes disparaissent, mais surtout qu'on puisse développer en accumulant des forces, assez de forces pour obtenir, revendiquer d'abord et obtenir, les droits de notre peuple à décider par lui-même.
Et on est en train de parler du Pays Basque Sud. La dictature franquiste, il prend qu'une partie du Pays Basque, c'est le Pays Basque Sud. Le niveau de conscience, politique et autres dans le Pays Basque Nord, il est tout à fait différent. Quand on parle de mouvements de libération nationale, de parlement, de différents mouvements, et surtout de colonies qui luttent pour son indépendance, au Pays Basque Nord, on peut considérer qu'on se trouve dans une situation coloniale. Pourquoi ? Bon, il y a une répression, une acculturisation flagrante. Les gens, ils sont obligés de partir à émigrer dans la France profonde, Bordeaux, Paris, Pau et ailleurs, parce que c'est un monde rural, il n'y a presque pas de travail. Donc le travail des saisonnières qui dépendent du tourisme. Donc on peut considérer qu'il y a des paramètres pour dire qu'au Pays Basque Nord, on vit dans une situation presque coloniale. Ce n'est pas la même chose au Pays Basque Sud, parce qu'il faut tenir compte que l'oligarchie financière de l'État espagnol s'est développée à partir du Pays Basque Sud. La grande banque, elle est née au Pays Basque Sud, et toutes ces grandes industries sidérométallurgiques s'est développée au Pays Basque. L'industrie minière, pareil. Donc on peut dire que le Pays Basque et Catalogne, ça a été le cœur de l'oligarchie financière et économique de l'État espagnol. À la mort de Franco, c'est pas la démocratie qui s'installe dans l'État espagnol. C'est-à-dire, à cette époque-là, en Europe, dans les chancelleries européennes, dans ce monde-là, on commence à parler de la jeune démocratie espagnole. Il faut tenir compte que Franco, il est mort dans le lit, et qu'à ce moment-là, ils se sont développés différents courants pour faire face à ces moments post-franquistes. Et chacun y a tiré vers son côté. À un moment donné, le Parti communiste avait une idée, le Parti socialiste avait d'autres idées, le PNV au Pays Basque avait d'autres idées, et la gauche indépendantiste, ou souverainiste pour simplifier, il avait d'autres idées pour faire face à ce moment post-Franco. Grosso modo, il y a eu deux grosses tendances. C'est une qui ont pactisé avec tout ce qui venait du franquisme, tout ce qui était mouvement phalangé, Opus Dei, toute l'oligarchie financière, tout le soutien qu'il y avait le franco-fascisme. Ils sont pactisés pour dire voilà, il faut pour construire la grande Espagne, il nous faut compter avec tout le monde. En faisant fi du passé récent, tout à fait récent. Et puis, d'autre côté, il y avait des forces aussi en Catalogne, au Pays Basque, aussi dans le reste de l'État espagnol, qui demandaient une rupture avec le système franquiste, avec tout ce que cela suppose. Une rupture suppose de demander responsabilité à tous ces cadres franquistes qui a été l'auteur de comme on a parlé tout à l'heure, des milliers de morts disparus, une répression dans cette nuit noire du franquisme. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est d'un côté la rupture et d'autre la réforme. Comme exemple, en 1976, il se développe au Pays Basque Nord, en concret à les conversations de Chiverta qu'on appelle, dans lesquelles ils se sont réunis toutes les forces politiques, pratiquement toutes, sauf tout ce qui émanait du franquisme. Ils se sont rencontrés pour, comme idée, de discuter pour une espèce de front uni, pour faire face à l'avenir du Pays Basque. Ça n'a pas eu de suite, parce que déjà, pendant ces conversations, déjà le Parti Socialiste de Euskadi
Et le PNV, c'était déjà en train de négocier sous table à Madrid la sortie de ce qu'on allait appeler la réforme de la jeune démocratie espagnole. Mmh. Donc on se trouve devant déjà, c'était une espèce de première grande trahison du PNV devant cette possibilité de faire un chemin ensemble. Comme il disait Telesforo Monzón, c'était un peu son idée à lui de travailler sur ce fonds uni. L'idée, ça se résume d'en faire un chemin, une partie du chemin ensemble. Il disait, quand on va de Donosti à Bilbao, on passe par Malzaga. Malzaga, c'est une gare qui est là-bas. Donc, faisons de façon qu'on puisse aller au moins jusqu'à Malzaga. Après, chacun prendra son chemin. Et ça commence à prendre forme à Madrid. Et là, d'un côté, ce qu'ils appellent la Plata Junta, c'est-à-dire le parti classique de gauche, le Parti Socialiste Ouvrier, celui qui est devenu parti après le congrès de Suresnes, qui a détourné les idées de base qu'il y avait au début, le Parti Socialiste, est devenu le Parti Socialiste que tout le monde connaît, qui a été dirigé par Felipe González pendant longtemps, et le Parti Communiste, qui avait une idée semblable, donc ils ont créé la Plata Junta, avec différents composants du monde du centrisme qui avait appuyé jusqu'à ce moment-là Franco. Et qu'ils voyaient, surtout depuis l'Europe, ils étaient regardés ces moments-là avec très grand intérêt, mais pas un grand intérêt pour faire face aux conséquences du franquisme, non. Avec un très grand intérêt, d'abord, c'était la guerre froide, donc géostratégiquement parlant, la situation de l'État espagnol était clé, mais pas que. Et surtout, je dirais qu'ils étaient regardés avec des yeux à niveau de ce qui était comme marché économique, ce qui allait devenir un grand marché. Et donc c'est avec cette intention-là qu'ils voulaient que ça se recompose le plus vite possible pour commencer à ouvrir ce marché et puis faire ce qu'on a connu quand l'État espagnol est rentré dans l'Union européenne, quand il est rentré dans l'OTAN, et faire ce que c'est devenu l'État espagnol que nous tous on connaît, avec la complicité de ces partis politiques qui n'ont pas voulu aller jusqu'à la rupture avec le système. Quand on parle des systèmes franquistes, ce n'est pas que le système franquiste, c'est un système franquiste qui a été soutenu par des forces économiques et sociales, c'est un système qui a été soutenu par l'Église, d'en en bas, par la banque, et évidemment par le militaire, ce qui s'appelait les forces de l'ordre, surtout la garde civile, la police. Donc c'est tout ça, hein. Ce n'est pas seulement Franco il est mort, et vivre la démocratie. Il y a des intérêts clairs. Pourquoi et comment on va pas demander des comptes à tous ces responsables qui ont causé la disparition de milliers de gens dans l'État espagnol. Pas seulement la guerre civile, mais pendant ces 40 ans de nuit franquiste. Ce qui ne veut pas dire que la nuit encore, ça soit devenu jour pour nous, les Basques. Et ça ne veut pas dire qu'on parlera plus tard que tout s'est effacé avec Lincoln parce que la belle démocratie est arrivée. Quoi. Alors, il y a un événement qui est venu un peu consolider cette image de nouvelle démocratie espagnole. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a suivi. Un événement qui s'est déroulé, c'était en février 81. Un coup d'État, on se souvient des images de l'Assemblée nationale espagnole, hein, pour ceux qui ont suivi l'actualité à l'époque. Donc cet événement du 23 février 81. Et ensuite, après ça, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Il y a eu la fermeture des journaux, l'égalisation de partis politiques, l'arrestation de nombreux militants politiques. Et derrière, ensuite, donc la pratique de la torture qui s'est poursuivie, qui s'est même organisée, structurée. Et puis l'apparition du GAL. Alors, comment ces différents événements sont arrivés, se sont déroulés? Il faut tenir compte que quand ce qui s'appelait en Europe la jeune démocratie se met en place, ils décident entre tous de créer une constitution, la constitution de 1978, qui est basée, et c'est un autre aspect à souligner,
la configuration qui va prendre cet État-là. Et un chef d'État, je ne sais pas s'ils ne veulent pas voir, les gens qui le savent, mais surtout les nouvelles générations, ils ne savent pas que le chef d'État, le roi, un roi espagnol, c'est quelqu'un qui a été désigné à doigt par Franco. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple. Commençons par là. Après, évidemment, comment c'était flagrant qu'il y avait des revendications politiques autant dans des nationalités, surtout en Catalogne, Països Catalans, en Galicie et au Pays Basque. Mais il fallait calmer ça. Pour calmer le jeu, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va donner une certaine autonomie qui était très vite revendiquée par le PNV, qui participe dans l'écriture de cette constitution de 1978, parce que ça va lui permettre au PNV, avec ce statut d'autonomie, de gérer une partie de l'économie d'une partie du Pays Basque. Donc, c'est l'état des autonomies qu'a fait pour tout le monde. Ils ont donné des autonomies même à des provinces comme Murcia, Santander, qui n'ont jamais rêvé de ça. Donc c'est une espèce de décentralisation à l'espagnol avec une espèce de catégorisation, c'est-à-dire qu'ils donnent un peu plus d'autonomie, une statut d'autonomie aux Basques parce qu'ils sont fait davantage de bruit, évidemment. Donc on leur donne un statut d'autonomie, qu'ils vont pouvoir gérer les impôts, déjà super important pour une force comme le PNV, c'est-à-dire qu'il y a une coïncidence totale entre les intérêts économiques qui sont défendus à Madrid et au Pays Basque. Donc c'est intéressant pour gérer l'économie du Pays Basque, la levée des impôts, les accords par l'intermédiaire d'un concert économique avec le Madrid, c'est-à-dire avec le pouvoir central. La constitution d'une police autonome, l'Ertzaintza. Donc, différentes choses qui vont configurer la statut d'autonomie au Pays Basque. Il faut tenir compte qu'il n'y a aucune rupture, aucun nettoyage, à aucun niveau. C'est-à-dire, ni dans l'Église, rien, ni dans la banque non plus, ni dans l'armée non plus, ni dans la garde civile non plus, ni dans tous ces partis politiques qui ont participé directement avec le franquisme. Rien, zéro. On dit, ils ont voté une espèce de loi à auto-amnistie. Et c'est vrai que tous les prisonniers et prisonnières politiques qui étaient en prison à ce moment-là, ils ont été libérés, pas tous d'un coup, mais ça a mis du temps. Mais en plus et surtout, c'est devenu une auto-amnistie, de telle façon que c'était interdit de parler de ce qui s'est passé à l'époque franquiste. Tous ces milliers de disparus, les fosses communes, tout est là. Mais tout le monde s'en fiche. En plus, on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher parce que c'est illégal. Parce que, de par loi, il y a une loi d'amnistie qu'on dirait en italien, en latin, tabula rasa. Fini. Il n'y a pas eu de franquisme. À ce moment-là, ces forces politiques qui sont auto-lavées, comme on dirait, auto-amnistiées, ils ne sont pas contents de voir que même si ce qu'ils ont accordé dans la constitution de 78, pour eux, c'est un peu trop. C'est un peu trop parce que, comment ça parle, et les écoles, l'école publique au Pays Basque, ils vont faire apprendre, les enfants, ils vont apprendre le basque par immersion. Donc ça, c'est un peu trop. Donc on commence à avoir beaucoup trop des courriñas, c'est le drapeau basque. Et déjà, ils s'enlèvent le drapeau basque. Bon. Pardon, le drapeau espagnol, donc ils se disent, mais ici il y a quelque chose qui se passe et ça il faut redresser la barre. Et ce qui s'est passé en 81, c'est une espèce de auto-coup d'État. Il n'est pas sorti, il ne s'est pas développé, il n'a pas eu lieu comme eux ils avaient pensé, parce qu'il y a eu un fou qui s'appelle, comment s'appelle, Tejero, qui a pris le devant et après ils ont eu du mal à gérer. La lutte se développe au Pays Basque et ailleurs dans l'État espagnol. Et le gouvernement espagnol, les différents gouvernements espagnols, mais à ce moment-là, encore la droite, c'est en 82 que Felipe González il prendra le gouvernement, et il s'est dit que, comme il disait un ancien président du Parti Socialiste d'Euskadi, Ramon Rubial, qu'il fallait utiliser contre
les indépendantistes, la même technique que De Gaulle il avait utilisée avec l'ORS. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant, déjà à l'époque de Franco, déjà dans les années 70, la police espagnole, le service secret espagnol, ils n'arrêtaient pas de faire des attentats au Pays Basque Nord ou ailleurs. Et après la mort de Franco, c'est pareil. Et pas que dans l'État espagnol, pas que dans Iparralde, mais aussi en Amérique. Et il ne faut pas oublier que Joaquín et Espe, ils ont été assassinés en années 80 au Venezuela. À tout honneur aux représentants du gouvernement espagnol que j'ai rencontré en 2005 à Genève, qu'évidemment qu'il a reconnu que l'État espagnol a utilisé tout type de moyens contre les Basques, c'est-à-dire pas contre les Basques, contre les militants basques, de la même façon que l'État a utilisé tout type de moyens pour lutter contre l'État. Bon, mais tout à son honneur de reconnaître ça, chose que personne d'autre l'a reconnu tout au long de ces années d'histoire. Ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils ne savaient pas aller avoir des conséquences parce que l'État il était derrière. Ils l'ont fait de n'importe comment. Ils ont été obligés de sévir. Il y a certains qui ont été certains hauts responsables du ministère de l'Intérieur, gouverneurs qui ont été inculpés, même ministre, même secrétaire d'État. Il y a une X, la fameuse X qui apparaissait comme la pointe de l'iceberg ou du sommet du GAL, que tout le monde sait qui c'était le chef de gouvernement, mais que personne n'a osé le dire. Tous ces gens-là qui ont été arrêtés, ils ont été autant de soupapes de sécurité pour éviter que ça aille plus loin. On continue dans le temps, la tête pensante de la répression à un moment donné, un personnage de l'appareil judiciaire très connu comme Garzón, qui a eu l'idée de développer l'image, mais qui a mis en pratique, de que tout le monde appartenait à l'État. Tout était l'État. C'est-à-dire depuis le militant de l'organisation, jusqu'à un journal, jusqu'à la radio, jusqu'à les hebdomadaires, jusqu'à tout était l'État. Hein. En se basant dans des déclarations sorties à droite à gauche, sur la torture, il a dessiné une carte selon laquelle l'État était comme une poulpe et touchait à tout. Donc ce qu'il fallait faire, c'est illégaliser tout. Malheureusement, comme dans beaucoup de cas dans notre histoire, il y a eu très peu de réactions au niveau européen, des arrestations de journalistes qui ont passé des années en prison rien que pour le fait d'appartenir au journal Egin ou d'autres revues, ou Radio Egin. Des militants qui ont été arrêtés parce qu'ils faisaient partie des organismes de solidarité ou autres. C'est-à-dire, ce qu'on a vu, et on critique tant de ce qui se passe en Turquie, bon, on l'a vécu directement au Pays Basque à tous les niveaux. Oui, des avocats. Tout le réseau, des médecins, des avocats, des journalistes, des gens du monde solidaire, tout. Et tout le monde est passé, il y a eu des dizaines et des dizaines de macro-procès. Donc voilà, c'est tout ce qui est de loin ou de près touché ce qu'on peut appeler le mouvement de libération nationale, tout était mis dans le même sac. On se demande encore comment la gauche indépendantiste a pu survivre devant ces rats de marée qui a rasé dans tous les sens, avec des centaines et des centaines de prisonniers et prisonnières, en utilisant après d'autres techniques, comme c'est l'éloignement dans des prisons dans l'autre bout de l'État espagnol, qu'en fin de compte, ce n'est pas un châtiment ajouté aux prisonniers ou aux prisonnières elles-mêmes, parce que tu es derrière le mur à Cadiz ou à Zaballa, au Pays Basque, mais surtout aux familles qui n'ont rien à voir. Donc, en fin de compte, c'est un châtiment ajouté au mouvement de libération nationale dans le sens le plus large, parce que beaucoup de gens, des familles, des amis, de ces prisonniers et prisonnières, ils n'appartiennent même pas à des organisations de la gauche indépendantiste, mais qui ont sévi, qui ont souffert, ils sont encore en train de souffrir la conséquence de cette politique-là. En fin de compte, on peut résumer que c'est une politique de terre brûlée, parce que ce n'est pas seulement le dégât
physique. D'ailleurs, il y a eu des centaines d'accidents avec 16 morts, centaines de blessés, seulement pour le fait d'aller rendre visite aux amis, aux êtres chéris ou aux familles. Mais en plus, c'est une dépense énorme à niveau économique, niveau social, bon, tout quoi, à niveau psychologique, à niveau physique. Donc on peut considérer que la politique qui a mené et qui mène les différents gouvernements espagnols contre la dissidence politique au Pays Basque est une politique de terre brûlée. On a beaucoup entendu parler de la conférence d'Ayeté. Oui. J'aimerais bien que tu reviennes dessus et nous expliques ce que c'était, qui y a participé. Donc, les différentes phases, on peut considérer une phase de négociation, ce que je vous ai raconté, ce qui s'est passé à Chiverta en 76. Mais ensuite, on fait un grand saut dans le temps et on arrive en 89. Au moment où je suis arrêté à Bayonne, en 89, comme dit Juan, et ça faisait deux jours qu'il y avait une trêve pour faciliter ce qui a été appelé après les négociations d'Alger, dans lesquelles le format de ces négociations s'était basé dans ce qu'on appelait à l'époque l'alternative à CAS. C'était une statut d'autonomie développée dans lequel était inclus le droit à décider par nous-mêmes de notre avenir. Et cette alternative à CAS est le nom d'une coordination abertzale socialiste, indépendantiste socialiste, c'était de porter à une table devant le représentant de l'État espagnol et discuter sur ça, comme point minimum pour dépasser la pratique de la violence armée et passer à un autre stade de développer cet accord-là, cet accord de l'alternative CAS. Donc à ce moment-là, la configuration de la négociation, c'était l'État avec l'ETA et avec le représentant du mouvement de libération nationale. Bon, ça n'a pas abouti, hein, pour différentes raisons, on ne va pas s'allonger sur ça. Ça, c'est en 89. Et après, on arrive à 99. Et là, le format des négociations, ça prend un autre visage. Et c'est le visage d'une espèce de front de forces indépendantistes au Pays Basque, nord et sud compris. Donc, la prise de conscientisation au Pays Basque et Nord, c'est énorme dans les années 70, surtout avec une grande influence du Sud, mais c'est énorme, à tel point que dans ce qu'on a connu, les accords de Lizarra-Garazi, c'est ça, c'est différentes forces indépendantistes qui vont se mettre d'accord pour faire un parcours dans lequel il y avait le PNV aussi. Et après, une fois qu'on se met d'accord, on va négocier ça avec l'État central. Pour différentes raisons, ça n'a pas abouti, là non plus. Ça a éclaté à l'intérieur. Il y a eu une rencontre entre une délégation de l'ETA et délégué des gouvernements en Suisse, en 1999. À ce moment-là, Aznar, il reconnaît, c'est la première fois, je crois que c'est l'unique, qui reconnaît qu'il a eu des contacts, il donne l'autorisation à avoir des contacts avec des représentants du mouvement de libération nationale. Et c'est lui qui l'a dit. Donc, bon, ça, pour l'histoire. Et à ce moment-là, ça n'aboutit pas. Et ça, c'est un autre format de négociation, en 99. Et après, en 2004, il y a eu l'espèce de, on peut considérer, un point d'inflexion. En 2004, à Noeta, au stade à Noeta, la gauche indépendantiste décide que, dorénavant, il va y avoir deux espèces de fronts pour discuter et pour traiter avec l'État. Un, ça serait pour dire, en résumé, les blocs politiques, le bloc qui concerne les partis politiques, pour après négocier avec l'État, et l'autre, les conséquences du conflit. Et ça concerne à l'ETA, les négocier avec l'État, c'est-à-dire les armes, les victimes, les prisonniers et prisonnières, et tout ce qui découle des conséquences d'un conflit. Donc,
C'est en 2004 qu'il va se définir ce type de structuration en ce qui concerne le type de négociation. Et ça va prendre forme en 2005, par l'intermédiaire des ONG, surtout de HD, du Centre en Réunion de Genève. Et donc, ces conversations dans la première phase de négociation ont pu aller à. Ils ont eu lieu sous la protection de l'État suisse, norvégien, et aussi avec l'implication directe du gouvernement français. Parce que la première chose qu'on met sur table, c'est la sécurité des négociateurs. Donc, si on s'assoit devant vous, il faut que vous nous garantissiez que nous, physiquement, on est protégés. Et ça n'aboutit pas. Et moi, à ce moment-là, j'ai disparu de radar en 2006 parce que je ne suis pas d'accord, clairement, à la façon qu'on est en train de mener ce type de négociation. Je crois qu'on va contre le mur, effectivement, on va contre le mur. Et moi, je pars, j'ai fait ma vie. Ma vie continue, ma vie clandestine, jusqu'à 2011. Déjà quelques années auparavant, vu que dans le mouvement global, le mouvement de l'université nationale, on se rend compte qu'il y a différents facteurs, multiples, de nombreux facteurs qui font qu'il faut passer le cap de l'utilisation de la violence armée comme outil politique. Il y a différents facteurs qui sont le facteur de la globalisation de la répression à partir des années 2000, la complicité de tous ces États contre le mouvement de libération nationale basque, pas seulement français, espagnol, déjà c'est partout. Donc les limites que cela nous pose. Et puis les limites aussi, la difficulté de faire une accumulation de forces au Pays basque qui soit pas forcément indépendantiste, mais simplement de forces qui se disent écoutez, nous on est aussi pour le droit à l'autodétermination, pour le droit à décider. Si on me demande, je ne suis pas indépendantiste, mais je suis d'accord pour que le peuple puisse dirimer ces questions, puisse avoir la porte ouverte à décider ce qu'il veut, point barre. Donc pour accumuler ces forces-là, dans la gauche indépendantiste, c'est dit qu'il faut dépasser ces caps-là. C'est-à-dire qu'il faut passer d'un affrontement politico-militaire à un affrontement uniquement politique, avec tous les moyens que cela suppose, avec tous les problèmes que cela suppose. Donc, il faut tenir compte qu'à ce moment-là, on est en pleine répression. C'est-à-dire que les partis politiques, tout est dans ce qu'il appelait Garzón et après Aznar, tout le monde appartient à l'ETA. Donc, on se demande souvent comment la gauche indépendantiste, le mouvement de libération nationale, a pu survivre à cette attaque. Parce que tout était interdit. Donc, et il faut que vraiment le besoin d'aller de l'avant, le besoin de lutter, et peut-être que c'est pour ça en revenant, en faisant un pas en arrière en l'histoire, c'est peut-être parce que nous, on parle de basque, hommes et femmes, on a une espèce de résilience face à ces attaques qui viennent en ce cas-là, en l'occurrence, le XXe siècle, contre le mouvement de libération nationale, mais dire que si notre peuple n'a pas disparu, c'est peut-être parce qu'il y a un facteur résilient, et qu'on est devenu comme un filet par lequel on a laissé passer d'autres civilisations, on a appris beaucoup de choses d'eux, en espérant, comme je disais, qu'eux ont appris beaucoup de choses de nous. Tout cela pour dire que quand on conçoit de nos jours en pleine globalisation un pays basque de l'avenir, on ne peut pas le concevoir, un pays basque, sans l'apportation de ces milliers d'hommes et femmes qui viennent d'ailleurs de par le monde. Nous, on n'est pas, c'est pas une question d'ADN, c'est une question d'avoir les portes ouvertes à ces gens-là, hommes et femmes, avec lesquels on va construire le futur du Pays basque. Pendant ces années-là, pour arriver déjà à y être, il y a tous ces facteurs qu'on utilise dans les discussions. J'ai dit au pluriel, on utilise, mais moi j'étais dehors de tout ça, c'est-à-dire c'est la grosse adversaire
qui ont débattu, ont discuté pour arriver à cette conclusion-là. Hein. C'est-à-dire qu'il faut dépasser ces caps. Donc pour dépasser ces caps, il y a les différentes ONG, différentes personnalités à niveau international qui vont participer directement et indirectement, et différents États, dans essayer de trouver un chemin pour la résolution du conflit. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a différentes personnalités, avec le travail de fond, surtout du centre Henri Dunant, qui fait que, avec l'accord de tout le, on peut dire, tout l'éventail politique, social, culturel, etc., du Pays Basque, tout le Pays Basque, qui vont configurer ce qui va être connu ensuite comme les accords d'Ayaté. Donc c'était donner un cadre à la sortie du conflit. Et ce cadre-là, qui était dirigé par Kofi Annan, ancien secrétaire des Nations Unies, et autres personnalités européennes mondiales, qui va se définir le cadre selon lequel ces personnalités vont mettre sur table et dire clairement, voilà, on demande à l'organisation ETA que l'arrêt total et définitif de la lutte armée, on demande au gouvernement français et au gouvernement espagnol d'établir des chemins pour traiter les conséquences des conflits. Eux, ils disent, nous, on est d'accord pour participer d'un côté et de l'autre pour faciliter tout ça. Et donc, ces accords-là, qui sont écrits noir sur blanc, ils vont marquer une étape importante aussi, parce qu'on va rentrer dans une autre forme, un autre format, un autre type de structuration de la négociation. Donc, c'est clair et bien défini dans les accords d'Ayaté. Et la première qui a répondu affirmativement, ça a été l'organisation, trois jours plus tard, en déclarant l'arrêt définitif et total de la lutte armée. Chose que n'a pas été fait ni par le gouvernement français, ni par le gouvernement espagnol. D'ailleurs, dans cette discussion d'Ayaté, qui a abouti aux accords, il y a eu tout le, comme je vous ai dit, tout le spectre du Pays Basque. D'un point à l'autre, et même le Parti Socialiste est aussi il était représenté. Donc, à ce moment-là, il y a à Madrid, c'est le gouvernement Zapatero. L'organisation déclare l'arrêt définitif de la lutte armée, et il y a des accords qui sont signés entre, pas directement avec l'organisation, mais entre le centre Henri Dunant et le gouvernement espagnol. Et ces accords, ils sont basés dans sont une feuille de route. Et la feuille de route, d'abord, c'est l'arrêt définitif de la lutte armée. Après, c'est avoir un pays européen qui soit sûr et soit prêt à recevoir une délégation de l'organisation pour qu'il puisse discuter avec une délégation de l'État espagnol les conséquences du conflit. C'est-à-dire, on continue avec la même configuration de 2004 de deux voies, c'est-à-dire la voie politique et la voie des conséquences du conflit. Donc, cette feuille de route marque, en ce qui concerne l'organisation, le pas à franchir pour avoir un endroit, un lieu sûr dans lequel entamer ce type de négociation avec le gouvernement espagnol. Le gouvernement norvégien, il se prête à ça. Le gouvernement espagnol, il est au courant. Le gouvernement français, il est au courant, encore une fois. Et donc, les pas suivants, c'est qu'il y a une délégation de camarades de l'organisation qui vont en Norvège, en utilisant les voies diplomatiques offertes par le gouvernement norvégien. C'est-à-dire, le voyage sur une voiture diplomatique, les documentations diplomatiques, donc tout est sous la protection du gouvernement norvégien, et en tenant compte que le gouvernement espagnol et français, ils sont au courant. Donc là, ils s'ouvrent une voie que par la suite, ça va devenir une voie unilatérale de négociation. Mais pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a des élections dans l'État espagnol et c'est la droite qui passe, Rajoy. Et comme on a vu ensuite la façon de faire Rajoy, pas seulement dans ce que eux ils s'appellent les conflits basques, mais en général, c'est de ne rien faire. C'est quelqu'un qui est passé dans l'histoire comme un coup de vent, comme ça. Donc, en ce qui concerne le contentieux basque, lui n'a rien voulu savoir. Ce n'est pas une affaire
de gouvernement. Ce n'est pas une affaire de Zapatero à ce moment-là. Ce n'est pas une affaire des partis socialistes espagnols. Ça devient une affaire d'État. Donc automatiquement, celui qui prend ces affaires d'État, il continue parce que ce n'est pas une affaire d'un parti. Donc c'est une affaire à résoudre par l'État. Rajoy, il fait fi de ça. Et personne, dans tous ces gens qu'on a rencontrés en Norvège, autant du monde de la diplomatie norvégienne que du monde de la diplomatie d'autres pays de par le monde, ils n'ont pas compris ce type de réaction. Des niettes, niettes, non, 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 et non, on ne veut rien savoir. Pour revenir à Ayeté, tu as décrit un peu ce qui s'est passé à Ayeté, et donc il y a un certain nombre de préconisations, de points hein, donc, qui ont été abordés, présentés à l'occasion de Ayeté. L'un des points qui a tout de suite été le théâtre de l'essuie, c'était le désarmement, mais je ne pense pas que l'arrêt de la lutte armée, plutôt, la lutte armée, elle n'a pas été déclenchée par Ayeté. Comment en fait on en est arrivé à la fin de la lutte armée? Il faut revenir à ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que la situation politique, au niveau international, la situation politique au Pays Basque, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, donc la répression et autres, les moyens de répression, ils font que la gauche indépendantiste a besoin de faire une analyse de la situation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas accumuler des forces en utilisant cet outil politique, c'est la violence armée. Donc il faut dépasser ces caps, il faut continuer avec les mêmes revendications, mais avec d'autres moyens de lutte, c'est-à-dire exclusivement politique. Donc cette analyse-là mène à dépasser ces caps-là et à donner les pas qui nous sont menés, qui ont mené l'organisation à décréter la définitive de la lutte armée et à se proposer d'ouvrir une négociation pour traiter les conséquences des conflits. Parce que parallèlement à ça, comme je vous ai dit, il y a la voie politique qui est connue plus tard comme les conversations de Loyola, dans lesquelles il y a eu des conversations entre le PNV, le Parti Socialiste et la gauche indépendantiste. Ça, je voudrais qu'on précise cet aspect-là, que l'arrêt de l'État, mais c'est le fruit d'une réflexion au sein de l'association ETA. Je dirais qu'il va au-delà du mouvement de libération nationale. C'est que il y a différents aspects dans lesquels beaucoup de gens qui ne sont pas militants de la gauche indépendantiste, ils ont participé, des milliers de gens qui ont participé en donnant leur point de vue, en participant indirectement et directement dans ces analyses-là, qui ont abouti à ça. Alors, l'une des suites logiques de l'État armé, c'est le désarmement, hein, comme dans chaque, dans tous les conflits. Et d'habitude, les désarmements, ils sont organisés, on l'a vu dans d'autres endroits du monde. Comment s'est passé finalement ce désarmement Il faut tenir compte qu'on rentrait dans un aspect d'un processus unilatéral unique au monde. Quand on entend des spécialistes de la matière, pour eux, ils tombent de nu parce que c'était inconnu pour eux. Jamais ils n'avaient conçu qu'une sortie pouvait venir de ce côté-là. Donc pour eux, c'est un laboratoire hyper important pour pouvoir utiliser ça ailleurs dans d'autres conflits dans le monde. C'est un processus qui a beaucoup de contraintes parce qu'à fin de compte, tu n'as personne devant toi. Et puis celui qui a les clés de prison, ce n'est pas toi. Donc, là, ça demande la participation à fond, derrière cette idée-là, des maximums d'agents sociaux, politiques, pour qu'ils fassent pression indirectement sur l'État central pour se dire il faut résoudre ça. Pour éviter des choses très graves qui peut avoir du manque de contrôle de l'armement, d'abord, il faut faire un travail de longue haleine, de pouvoir ramasser le maximum de ces matériels-là pour le mettre à lieu sûr, et après, mais voilà, il faut traiter comment on le fait. Comme c'est un chemin unilatéral, tu peux pas prendre ta valise et aller devant la caserne et dire eh bien, voilà, nous savons. Non, c'est ce qu'ils voudraient, c'est eux qui voulaient, c'est ça. Nous, on est nés du peuple. C'est le peuple qui nous a aidés. On lutte pour eux. Avec, par et pour le peuple. Donc la suite logique à ça, même si ce n'est pas évident de réfléchir, de se dire, voilà, on va donner ça à la société civile pour que ça soit elle qui prenne ça en main et qui fasse ce qu'il faut faire
pour que ce désarmement puisse avoir lieu d'une façon organisée, programmée et sans aucun risque. C'est avéré que le travail qu'a fait la société civile, surtout au Pays Basque Nord, c'est énorme. C'est un exemple à suivre pour d'autres processus de paix. C'est pour ça qu'il devient un exemple aussi quand il traite de la façon qu'il traite les conséquences du conflit, comme c'est le prisonnier et prisonnière, et les relations avec le ministère de la Justice française, tout ce que cela suppose de travailler d'une façon ouverte avec tout l'éventail de forces politiques sauf l'extrême droite, dans des aspects qui ne s'arrêtent pas seulement aux conséquences des conflits, qui vont au-delà. On a vu ce qui s'est passé avec les Euskera, les programmes d'immersion dans l'école publique. Et bon. Donc c'est une implication dans la vie quotidienne, vie politique, sociale et culturelle des Pays Basques Nord. Donc quelque chose à souligner. Il y a quelques instants, tu as repris des mots qui ont été utilisés dans la déclaration finale de Kia, que tu as lu avec Marichal Paraguiré. Tu peux nous dire deux mots justement de cette dissolution de... Je crois que c'est la continuité logique, l'acheminement logique d'un processus qui n'a aucun sens qu'une organisation puisse exister quand il y a déjà des organisations dans la gauche indépendantiste qui vont continuer le chemin de cette lutte avec le seul moyen politique. Nous, on va utiliser des moyens démocratiques pour aboutir à nos fins politiques, c'est-à-dire en résumé, les droits à décider. Mais celui qu'on en face, il n'utilise pas malheureusement les outils démocratiques. Hein, sans oublier ce qui s'est passé avec les jeunes à Al-Tsachoua, ou les arrestations de l'autre jour, ou la criminalisation de la jeunesse qu'on est en train de voir sous prétexte de crise sanitaire, bref, tout ça. C'est une suite normal que l'organisation arrive à se dire, mais voilà, nous n'avons aucun sens. Nous, on a franchi le pas qu'il fallait franchir, plus de lutte armée, désarmement, donc la suite logique, c'est de dire, voilà, notre lutte continue, ben, tous les fronts sont ouverts, là, hein, à tous les niveaux, et donc voilà, vous, hommes et femmes, que vous avez participé à différents stades dans notre lutte, bah, vous savez, c'est à vous de choisir où aller pour continuer notre lutte qui est encore longue, peut-être plus longue que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Du coup, la base de la lutte basque, c'est le droit à l'autodétermination. On peut dire. Tu en parles depuis tout à l'heure, ouais. C'est ça, c'est le fond. Et c'est pas que le problème des Basques, il y a tout un tas de peuples dans le monde qui sont confrontés à la colonisation. Où on en est aujourd'hui de la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Je crois que de la même façon que notre processus de lutte en 1960, il a beaucoup, beaucoup appris des mouvements de libération nationale qui se sont effectués surtout en Afrique, mais en Asie. Je crois que dans notre phase du XXIe siècle, malheureusement, on n'a qu'à regarder le cas du Sahara espagnol, avec la responsabilité directe du gouvernement espagnol encore, parce que c'était lui qui était la puissance coloniale à l'époque, du gouvernement français impliqué jusqu'au cou pour des intérêts économiques et géostratégiques. Donc on n'a qu'à voir ce qui est en train de se passer dans le Sahara pour voir que le droit de ce peuple colonisé à l'autodétermination, il est bafoué et il est soumis à des intérêts économiques et géostratégiques surtout. Et un peu plus près de nous, ce qui s'est passé en Catalogne. On est en train de parler d'un régime démocratique, on est en train de parler de la démocratie espagnole, un pays de l'Union européenne, un pays de l'OTAN, et on voit qu'un pays comme un pays catalan qui décide là aussi, unilatéralement, de dire voilà, on va mettre en pratique le droit de détermination, et on a vu les conséquences. C'est-à-dire de mettre en prison par sédition hommes et femmes politiques qui n'ont fait que suivre la demande du peuple catalan. Donc, tristement, les droits de peuples colonisés et les droits des minorités dans d'autres pays du monde, ils sont loin d'être dans la bonne voie de réussir
ce qui correspond à ce peuple-là, de pouvoir décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent être. Tout à l'heure, tu nous parlais de la guerre sale menée par l'État espagnol, notamment avec le GAL et tous les attentats qui avaient été perpétrés par eux. Toi, tu peux nous expliquer, parce qu'en juin 1975, tu as échappé avec ta famille à un attentat par le bataillon basque espagnol. Oui. Bon, ce n'est que, en fin de compte, un attentat de plus qu'il y avait déjà à l'époque de Franco. Et là, on peut dire que j'ai eu la chance. C'est-à-dire que ces groupes de mercenaires qui travaillaient à la solde de service secret espagnol, son projet c'était de mettre une bombe qui allait sauter au moment de mettre en marche la voiture, et il a sauté quand il était en train de le poser. Donc, bon. La suite ça a montré que clairement et ils étaient à la solde du service secret espagnol et que tout était monté, bon, comme il y a eu dans d'autres cas auparavant et après. Donc, dire que ces jours-là, j'ai eu la chance, pas que moi, de disparaître de la carte avec ce qui était ma femme à ce moment-là et mes deux enfants. Il y en a une qui était la petite qui venait de naître, qui avait moi, et l'autre qui était un peu plus âgée. Donc, c'est ça. Jusqu'en 1980, tu as eu le statut de réfugié politique en France. Oui. Comment c'est possible qu'aujourd'hui tu sois dans cette situation de réprimé politique? Alors, je ne sais pas trop comment dire. Oui, tu as été prisonnier politique. Prisonnier politique. Prisonnier, je suis prisonnier sous bracelet électronique, mais prisonnier sans être entre quatre murs. Donc, bon, c'est à partir de 1971, quand j'arrive à Iparralde, que je suis réfugié politique jusqu'à 1979, dans l'année dans laquelle Giscard d'Estaing il élimine parce que, mais voilà, la logique de la chose, c'est que pour lui, il y a une nouvelle démocratie, une jeune démocratie dans l'État espagnol, donc il n'y a pas raison d'être qu'il puisse exister de réfugiés politiques. Donc, comme c'est la démocratie là-bas, vous faites ce que vous voulez, vous allez. C'est que n'a pas empêché que des centaines et des centaines de réfugiés, pour nous, continuent à vivre à Iparralde et ailleurs dans le monde. Et, ce qui a créé cette prise de décision politique par le gouvernement français, que beaucoup d'hommes et femmes ils sont dû partir en Amérique latine pour pouvoir refaire à leur vie, chose qu'ils ne pouvaient pas faire normalement en Iparralde ou dans d'autres pays d'Europe. En 81, quand Mitterrand gagne les élections, il y a des accords avec le ministère de la Justice française qui nous permet d'avoir des papiers comme n'importe quel immigrant pendant plusieurs années. Donc, ce qui permet que beaucoup de hommes et de femmes puissent travailler et vivre au Pays Basque légalement à ce moment-là. Jusqu'à ce que, évidemment, la répression à différents niveaux fait que la vie des réfugiés iparlandais devient invivable, façon de le dire. Et moi, je suis arrêté en 89, comme je t'ai dit tout à l'heure, au moment des négociations d'Alger, qui fait que pendant cette période-là, je suis incarcéré. Jusqu'à 96, je suis expulsé à l'État espagnol, de 96 en janvier 2000. Cette période dans laquelle on a essayé de m'inculper à cause de différentes choses qui n'ont pas prouvé. Donc j'ai été libéré parce que j'avais été déjà jugé par appartenance, comme ils disent, en réaction terroriste des gens d'État français, et on ne peut pas juger dans l'Union européenne pour deux fois par la même chose. Et c'est pour ça que j'ai été libéré en l'année 2000. Justement, tu le disais, tu es en libération conditionnelle sous bracelet électronique, assigné à résidence, avec des contraintes très strictes au niveau des horaires. D'ailleurs, il a fallu qu'on s'adapte à ces contraintes pour pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la France, donc, elle te poursuit, elle cherche même à te condamner dans deux procès. Il y en a donc pour une participation à une entreprise de malfaiteurs à visite terroriste. Donc les deux d'ailleurs, et l'un va se tenir donc à Paris donc le mois prochain en février, le 22 et 23 février prochain,
Ça, c'était pour la préparation, finalement, des, la période 2005. De 2005. Et puis l'autre procès, qui est reparti à l'instruction pour la troisième fois. Et qui a été renvoyé maintenant, l'instruction a reçu l'autre jour, a été renvoyé en procès. Encore une fois. En théorie, il aura lieu en 21-22 juin. Oui. Et celui-là, il porte sur la période, donc... 2011-2013. 2011-2013, hein, alors que c'était la période d'Oslo. Alors, comment, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de ces deux procédures? Et puis, comment toi, tu perçois, quelle lecture tu fais finalement de cet acharnement judiciaire de la part de la France pour ces deux périodes où tu participais donc à des tentatives de résolution du conflit? Donc c'est le comble et une attitude tout à fait contradictoire de la part du gouvernement français. On m'accuse depuis 2002 d'être dans différents endroits parce qu'ils ont trouvé une empreinte sur un truc, soi-disant. Il le monte comme ça. Il y a une. Votre présence s'est avérée dans tel endroit. Dans tel endroit, il y a eu d'autres gens aussi. Donc, et voilà, association de malfaiteurs. Mais en plus, ils reconnaissent que, noir sur blanc, que ces réunions-là, ils sont pour trouver des négociations de paix. J'étais condamné déjà à 7 ans, 5 ans en première instance et 7 ans en appel en 2010. Pour ça, clairement. Donc c'est le comble qu'un gouvernement français qui est tout à fait d'accord, était d'accord, il s'implique directement dans un processus de négociation, qu'il t'accuse parce que tu as participé dans ce processus de négociation. Donc il n'y a pas seulement, c'est pas seulement le comble de l'injustice, on peut dire, mais aussi la France qui Macron s'entretient avec le représentant de Hezbollah, soi-disant, en passant, Hezbollah, qui est déclaré comme organisation terroriste par l'Union européenne. Ils sont dans le Sahel, ils sont en Libye, ils sont ailleurs, de par le monde, soi-disant en essayant de résoudre ce problème, de faciliter la résolution de ce projet. Et lui-même, on m'accuse, il accuse à quelqu'un, en l'occurrence moi, de faire la même chose. Donc c'est contradictoire. Et contre-productif aussi pour l'image même de la France qui est en train de vendre cette image de facilitateur dans la résolution du conflit. Dans le deuxième procès dans lequel on m'accuse de 2011 à 2013, parce que là, c'est la troisième fois qu'ils sont envoyés au tribunal. La première fois, on m'accusait clairement, noir sur blanc, d'avoir été à Oslo, la conversation de négociation de paix. La deuxième fois, ils ont écarté ça et on m'accusait, on ne sait pas de quoi, de faire partie d'une organisation terroriste dans les Pyrénées Atlantiques, on ne sait pas, comme ça. Et après, ils ont écarté ça aussi, et maintenant, l'accusation, c'est de 2011 à 2013, avoir participé à une organisation terroriste. Et voilà. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas de sens, mais c'est ça la justice française. Donc il y a quand même cette forme d'acharnement. Donc, ils essayent de trouver un petit trou de souris, on ne sait pas où. Ouais, pour me condamner. Voilà. Donc il faut tenir compte que par ce deuxième procès, on m'a condamné à 8 ans de prison, sans aucune preuve. Donc, voilà. Cet acharnement, il est incompréhensible. Parce que tout à l'heure, tu disais la base dans les négociations de paix, c'est qu'on garantisse la protection de négociateurs. Oui. Et là, effectivement, la France qui essaye de se placer en facilitateur de résolution de conflits, si elle-même, elle criminalise les négociateurs, ça, t'as raison, c'est contre-productif. C'est qui va aller négocier la paix avec la France? Ça indique clairement que ce n'est pas que la justice française, c'est la pression de la justice espagnole. On en parlera deux secondes plus tard pour dire, quand on parle de la démocratie espagnole, il y a un aspect qu'il faut tenir compte et souligner, surtout à la nouvelle génération, que dans l'État espagnol, les structures, il n'y a pas eu de rupture avec le régime franco-fasciste. Il n'y a pas aucune rupture. Donc, toutes les structures, on a l'exemple de la Catalogne, c'est-à-dire l'exemple de la Catalogne, le dernier exemple, le récent exemple, c'est-à-dire que le gouvernement catalan décide de retarder les dates de sélection qui étaient prévues pour le 14 février parce qu'il y a la crise sanitaire, mais différence intérêts et politiques, mais surtout la justice espagnole, fait qu'il décide de ne pas tenir compte de la décision du gouvernement.
ils font appel à ça et ils décident que les sélections doivent avoir lieu quand ils veulent, le 14 février. Donc, c'est-à-dire qu'on vit une judicarisation de la politique. C'est le gouvernement, la gouvernance des juges. Mais quand on parle de la gouvernance des juges, ce n'est pas des paroles vides. C'est la même structure que vient du franquisme. Il n'y a aucune rupture. C'est ça, le même. C'est d'ailleurs pas le même juge, parce que maintenant ils ont 90 ans, mais c'est la même école. Mais c'est la même chose qui s'est passée dans la guerre civile, avec l'armée. Quand ils enlèvent le statut de Franco en 83 de Valence, on ne la jette pas à la poubelle. Hein. Et on la prend et on la met dans les locaux de l'état-major de l'armée. Le colonel-chef de la caserne à Soine à Irunia, en 92, quand il donne sa première conférence de presse, parce qu'il a pris le commandement de cette caserne, il dit « Viva Franco !» Mais en 92, mais ça veut dire qu'il y a une école. Donc, c'est-à-dire que les structures fascistes, sans parler des centaines de rues, de nombre de places qui sont encore au nom de généraux, de personnages fascistes. Donc, c'est kafkaïen, quoi. Et personne. Et imaginez-vous qu'en France, là, c'est la rue Pétain, là, c'est la rue Machin, là, c'est la rue Maréchal. Mais les gens, ils savent péter un plomb. Alors là, l'État espagnol, il y a ça, tous les jours. Donc, on peut dire un régime autoritariste, pire que ça, c'est un régime qui a hérité et qui n'a pas effacé, même pas une virgule, des structures fascistes. Et on voit face à ça, on voit comme conséquence de ça, les exemples, les attitudes de ce qui s'est passé avec les militants de la gauche indépendantiste qui avaient participé dans le virage politique de l'organisation de la gauche politique. En décembre 2004, qui ont été emprisonnés pour ça, qui ont passé 6 ans en prison. L'État espagnol qui a été, comment dire, par la Cour de... Oui, accusé de ne pas faire un procès juste, et que maintenant, ces mêmes tribunaux, les hauts tribunaux espagnols, ils décident qu'il faut rejuger. Non, mais ils s'en fichent de ce qui est en Europe. C'est eux qui gouvernent. Donc c'est la gouvernance des juges. Sans parler de la même structure économico-sociale, la banque, l'église, etc., etc. En résumé, le fait que nous, on avance dans nos constitutions de revendications démocratiques, ça va faciliter à l'État espagnol, au reste de l'Espagnol, de l'État espagnol, à combler les déficits démocratiques eux ils sont. Tu disais tout à l'heure, Clémence, par rapport à l'attitude de la France vis-à-vis à ton égard. Et donc, effectivement, c'est un peu la conclusion. Donc, aujourd'hui, la France te devrait protection au lieu de c'est, te poursuivre. Oui, c'est dans ce sens-là que tu as lu plus ouais. de 300 personnages bien sûr, politiques ouais. et autres qui ne comprennent pas ça. Pas que dans mon cas c'est un cas, mais il y a d'autres cas, il y a, en Cachemire c'est pareil, en Colombie c'est pareil, donc c'est pas un cas unique quoi, mais c'est dans le contexte global que c'est pour ça qu'ils revendiquent ça. Et comment tu envisages ta situation dans les années qui viennent? Bon, malheureusement, en tenant compte de cette démocratie espagnole vue ce que malheureusement pour moi je suis devenu un trophée pour eux. Je le vois assez, disons, à des couleurs noires, quoi. Et parce que déjà, il y a eu un mandat d'arrêt européen qui a été accepté, notre extradition aussi, même si l'extradition du mandat d'arrêt européen, ça fonctionne de façon différente. Donc, l'avenir est noir, vraiment noir. Et c'est pour ça que ça dépend pas que dans mon cas. Pas que maintenant, mais de la solidarité des gens qu'on consignait cet appel, que je puisse continuer à respirer en liberté, au moins, même si c'est avec un bracelet électronique, le maximum de temps. Oui, c'est l'affaire de nous tous, oui. Ouais. Alors, on nous fait signe que le temps est. L'horloge tourne. Quel est l'avenir pour le Pays Basque aujourd'hui? On est en 2021.
moi, tout en tenant compte de ce qu'on a en face de nous, hein, autant à Madrid que même au Pays Basque, on veut un type de société, un avenir société, d'une société basque libre, mais une société solidaire, une société basée sur l'écologie, sur le féminisme, mais surtout, et surtout, solidaire. Que de la même façon que nos aïeuls se sont construits avec d'autres qui sont passés par là, on arrive à les construire avec tous ces hommes et femmes qui viennent d'ailleurs, qui vont plonger dans notre culture, dans notre langue, sans d'aucune façon laisser leur culture, et leur langue, parce que tout ça, ça va enrichir notre avenir. Et moi, j'ai grand espoir en la jeunesse. Malgré ce monde global qui a beaucoup de dangers, mais qui aussi nous permet d'avancer avec les nouvelles technologies, je parle de la jeunesse, mais que c'est une jeunesse solidaire, c'est une jeunesse combative, c'est ça l'important, à tous les différents aspects de notre vie. Et j'ai l'espoir qu'on va avancer, ça va être long, mais on va avancer dans le chemin d'arriver un jour à pouvoir décider par nous-mêmes, de la même façon que je souhaite que les Écossais puissent le faire le plus vite possible, les Catalans et les Galiciens, mais aussi les Sahraouis, dans ces cas-là, et que la Nouvelle-Calédonie, ils arrivent à leur but, c'est-à-dire l'indépendance de la France, et sans oublier tout le reste des colonies de par le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai espoir dans l'avenir, dans ce sens-là. Parce qu'on a une jeunesse qui ira de l'avant, qui va travailler jour après jour, espérons-le, pour la consécution de ce but. Et justement, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut faire selon toi, pour, à Paris, en France ou ailleurs, pour aider les peuples opprimés dans et donc le peuple basque. Donc, il y a deux aspects qui pour moi sont liés. Et c'est surtout solidarité. Il y a l'intérêt de la solidarité à profiter qu'on est dans ce monde global parce qu'il y a des bonnes choses, à informer. Informer jour après jour. Informer aux gens, ouvrir des voies. Et la solidarité dans de multiples facettes. C'est une solidarité en théorie, solidarité en informant, mais solidarité pratique en collaborant avec ces peuples colonisés, en allant sur place. Chez nous et ailleurs, pour collaborer avec eux, demander de quoi ils ont besoin et participer dans cette voie-là. Donc, solidarité, c'est solidarité.